L'histoire de Louis Braille. Devenu aveugle dans sa prime jeunesse à la suite d'un stupide accident dans l'atelier de son père, les gens du village de Coupevray en Seine-et-Marne disaient « Tiens, voilà petit Louis », en l'entendant frapper le sol de son bâton. À 10 ans, Louis Braille fut admis à l'école pour aveugles de Paris. Bientôt, le petit Louis se mit à l'étude de livres composés de lettres en tissu collées sur du papier. Chaque lettre avait environ 7 cm sur 5, et en raison de ses dimensions, il n'était pas rare qu'un roman composé de plusieurs volumes puisse peser au total près de 30 kilos. C'est durant sa 14e année que l'un de ses condisciples découvrit au dos d'une carte imprimée des empreintes en relief qui correspondaient à des caractères fortement marqués. « Maître, maître !» s'écria-t-il en se tournant vers Valentin Oy. Celui-ci comprit vite l'intérêt de la chose et se mit à frapper des lettres en relief au moyen de caractères mobiles de 2 cm de haut. Malheureusement, un livre ainsi composé était encore terriblement incommode à lire. Louis, qui désirait ardemment s'instruire, se désolait d'imaginer qu'il lui faudrait avec ce système 5 années pour venir à bout du programme scolaire d'un trimestre. Découragé, il disait à son père que seuls des livres bien conçus seraient capables de rompre l'isolement des aveugles. Alors un jour, il lui vint une idée merveilleuse, celle de fabriquer des formes en cuir combinant des triangles, des carrés et des cercles pour représenter l'alphabet. Mais au bout du compte, il dut admettre qu'aucun système n'était pratique. Par la suite, Louis fut nommé professeur à l'Institut national des aveugles. Un jour, à la terrasse d'un café parisien, il entendit une conversation qui le captiva. Un capitaine de l'armée française avait imaginé un système de points et de traits en relief permettant d'écrire dans l'obscurité, précisant qu'un message composé de la sorte pouvait être lu rien qu'au toucher. Quand Braille comprit la portée d'une telle nouvelle, il se mit à pousser des cris de joie, à la grande stupeur de son entourage. « Pardonnez-moi, dit Braille, mais je pense tout simplement que c'en est fini de l'isolement des aveugles. » Le lendemain, accompagné d'un ami, il trouva le capitaine Charles Barbier et lui demanda de lui expliquer sa méthode. Celui-ci révéla comment, à l'aide d'un poinçon, il exerçait des pressions sur un papier épais de manière à faire ressortir des bosses correspondantes suivant un code très simple utilisé à l'époque dans l'armée. Un point, par exemple, signifiait « marche en avant », deux points voulaient dire « retraite », etc. Eh bien, voyez-vous, je crois que c'est à ce moment précis que Braille comprend parfaitement qu'il lui sera possible de créer un code complet du langage. Dès ce moment clé, Braille ne connut plus de repos jusqu'au jour où, 5 ans plus tard, parut le premier imprimé selon la méthode qui porte aujourd'hui son nom. 5 années de tentatives, d'essais, d'autant plus épuisants que Louis était atteint d'une maladie terrible qui l'emporta à 43 ans. Au cours d'une conférence qu'il donna devant ses élèves et des professeurs délégués par de nombreuses écoles, il démontra qu'il pouvait écrire en points saillants, à un rythme équivalent à celui de la parole. Après quoi, il relut ce qu'il avait écrit comme l'eût fait un homme normal. Mais ses collègues jaloux prétendirent qu'il avait appris son texte par cœur. Par la suite, l'Académie française ne cessa de repousser sa demande de présenter son système. S'accrochant à la certitude d'avoir trouvé un système capable de révolutionner la vie des aveugles du monde entier, Braille développa sa méthode aux mathématiques et créa même un code de notation musicale. Ce fut à ce stade final de sa maladie que lui parvint enfin la nouvelle du triomphe de sa méthode. Rendez-vous compte. Après toutes ces difficultés vécues, à la suite de la jalousie de ses collègues et surtout de tous les éditeurs qui gagnaient leur vie en publiant des livres pour aveugles selon le vieux procédé de l'écriture en relief. La presse française s'empara enfin de l'affaire et l'Institut fut contraint de capituler devant une opinion publique indignée. Louis Braille avait enfin réussi. Je ne me suis permis de pleurer que 3 fois dans ma vie, dit-il.
première, quand j'ai perdu la vue. La deuxième, quand me fut révélée la découverte de l'écriture dans la nuit. Enfin, aujourd'hui, parce que je sais que ma vie n'a pas été un échec. Il mourut quelques jours plus tard. Le système Braille a pris une telle importance dans le monde que dès l'année 1895, le nom de son inventeur était orthographié comme un nom commun dans la plupart des dictionnaires. Pour ma part, j'oserais dire tout simplement de cet homme hors du commun qu'il fut un être clairvoyant. À bientôt, chers auditeurs.